Bonjour et bienvenue dans le studio Domitis spécial Nuit de la lecture. Nous sommes aujourd'hui à Amboise, à la résidence Domitis Le Parc de Vinci. Et pour aborder ce sujet avec nous et nous proposer des lectures, nous sommes en compagnie de Teresa Révé. Bonjour Teresa. Bonjour Hélène. Vous êtes auteure et vous êtes également cette année présidente du jury du prix littéraire Domitis. Et vous avez remporté l'année dernière ce prix avec La Nuit du Premier Jour. Oui, c'est un bonheur d'être là, c'est un bonheur d'être présidente du jury, c'est vraiment toujours une joie de partager mon amour pour la lecture avec des gens qui, comme moi, comme vous, aiment lire et partager une passion, tout simplement. Alors, pour aborder ce sujet de la peur, première question, en tant que lectrice, est-ce que vous aimez avoir peur en lisant? Est-ce que c'est une sensation que vous cherchez? Une dramatisation de la lecture, oui. Je ne suis pas des lecteurs qui aiment particulièrement les livres d'horreur, ou qui sont trop violents dans la peur, mais je cherche, comme la plupart d'entre nous, une angoisse diffuse et de savoir ce qui va se passer, quelle que soit l'histoire d'ailleurs. Et ça, c'est une construction narrative d'une peur ou d'une angoisse ou d'une terreur, selon les livres qu'on choisit de lire. Et en tant qu'auteur, est-ce que vous cherchez à procurer un sentiment de suspense, de peur, d'angoisse comme ça chez vos lecteurs? De suspense, absolument. Et moi, j'écris des romans à caractère historique, donc avec un arrière-plan historique qui est toujours travaillé et véridique. Mais je dois emmener mon lecteur par la main sur une distance assez longue, puisque mes romans sont plutôt autour de 380-400 pages, sinon plus. Donc, il faut cette narration dynamique et qui crée ce suspense. Et le suspense, il y a évidemment soit les événements et ou des personnages qui peuvent faire peur, mais avec une dramaturgie interne au récit. Et ça, tout romancier doit le créer, même dans des romans qui ne sont pas dans une spécialisation de l'horreur ou de la peur. Alors la peur en littérature, c'est valable à tous les âges, hein, dans tous les romans, on en trouve et on le cherche aussi parfois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu en revue comme ça la peur en littérature au fil des âges. Alors en tant qu'adulte, on ne cherche pas à provoquer de la peur chez les enfants. C'est pas quelque chose qu'on cherche à le faire ressentir, mais pourtant, les livres qu'ils aiment lire, qu'ils nous font lire 10 fois, 20 fois, ont toujours ce ressort de la peur. On dirait que c'est un sentiment qu'ils cherchent finalement. Oui, c'est un des ressorts fondamentaux. Et j'allais dire, avant même la lecture, le conte oral, puisqu'avant l'écriture, il y avait toujours des contes, il y avait toujours une façon de se raconter les choses. Le conte oral crée aussi un suspense, une dramaturgie et une peur. Et l'enfant, c'est une des émotions qui est constitutive de l'être humain. Donc, dès la petite enfance, c'est vrai qu'on aime bien se faire peur, parce que c'est une façon de verbaliser nos angoisses. Et quand on est tout petit, avoir surtout ce paradoxe entre la personne qui vous lit l'histoire, qui vous fait peur, mais vous savez que vous êtes en confiance avec cette personne et donc que vous risquez rien. Donc il y a un équilibre qui se crée à travers la lecture et à travers la personne qui, tout au début, évidemment, vous lit l'histoire avant que vous ne la lisiez par vous-même. Oui, de toute façon, les enfants, la peur est un sentiment qu'ils ressentent. Oui. Donc ça ne sert à rien de l'occulter. Et même les enfants qui font des cauchemars, d'ailleurs, on aurait tendance à se dire, je vais pas en plus lui raconter une histoire qui fait peur avant de s'endormir. Oui. Mais finalement, le fait de mettre des mots, comme vous le disiez, sur ces sentiments qu'il ressentent, sur ces émotions, ça permet d'externaliser. Oui. Et finalement, de mieux dormir ensuite. De mieux dormir ou de mieux comprendre. De toute façon, c'est une, d'où l'importance de la lecture pour les enfants et qui est quelque chose d'essentiel vraiment. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans beaucoup d'associations et bien sûr à l'école, il faut apprendre à lire parce que c'est une façon de créer l'être humain et l'adulte de demain. Donc il faut commencer très jeune. Et c'est vrai que moi, lorsque j'ai, à travers les différents déménagements de ma vie, j'ai un carton de mes livres d'enfants que je garde précieusement et qui sont toujours les premiers que je sors et que je range dans ma bibliothèque. Et donc tous ces livres permettent à un enfant de mettre des mots, comme on disait, sur ses émotions et donc de les verbaliser et surtout de les transformer. Et de voir aussi, lorsque quelqu'un lui lit une histoire, que la personne
Alors la personne joue souvent quand on lit à un enfant, on prend des voix différentes et on insiste sur les tonalités, on devient acteur, l'adulte devient acteur vis-à-vis de l'enfant et l'enfant voit que l'adulte traverse les mêmes peurs mais que ça ne l'a pas fait ni disparaître ni mourir, il est là en sécurité et il est en sécurité. Oui, il y a autre chose aussi, c'est que Nathalie Brissac, qui travaille à la maison d'édition à l'école des loisirs, explique en fait que les enfants avant 3 ans aussi s'identifient finalement aux monstres parfois dans l'histoire. Parce que eux-mêmes, avant 3 ans, les enfants sont très égocentriques, le monde tourne autour d'eux. Et ils peuvent faire des colères et se faire disputer par leurs parents, avoir ce rôle de méchant, enfin le ressentir en tout cas comme ça. Et dans les histoires, la méchanceté, dans les livres pour les enfants de 0 à 3 ans, finit toujours par être tournée ou se dissiper. Ça s'arrange toujours à la fin pour eux. Oui, ça les rassure aussi. L'enfant peut être dans le petit chaperon rouge, l'enfant peut s'identifier au petit chaperon rouge qui est mangé ou au loup qui mange. Donc c'est ça qui est amusant. Et ensuite, évidemment, en grandissant, il va faire la part des choses et il va plutôt s'identifier au héros ou à l'héroïne ou au chevalier qui remporte les batailles. Mais cette identification est importante dans la création, dans la constitution de la psyché du personnage, de l'enfant qui grandit. Et il y a un grand pan de la littérature jeunesse qui est une littérature entre le bien et le mal. Et ça remonte les siècles, ça, de tout temps, les contes pour enfants, les contes Grimm, on a tous été élevés avec les contes d'Andersen ou les contes Grimm, et ça traverse les siècles et ça traverse les époques. Sachant qu'au 19e siècle, les contes pour enfants étaient une façon d'éduquer les enfants. Donc l'enfant qui faisait des bêtises était l'enfant qui allait être puni, et l'enfant qui était sage était au contraire l'enfant qui allait justement triompher de tous les obstacles. Maintenant, à notre époque, nous avons ce qu'on appelle une éducation plus bienveillante, mais on ne peut pas évacuer cette notion de peur. Et d'angoisse. Et les contes ont été édulcorés aussi au fil des années. Alors on peut les réécrire en partie, mais je pense que l'émotion de la peur reste et elle est nécessaire parce qu'il faut savoir la dominer, il faut savoir la contrôler. Et puis la peur sauve. Je veux dire, il faut savoir avoir peur pour éviter soit l'accident, soit enfin. Oui, c'est un sentiment primaire. C'est un sentiment primaire important. De la vie, tout simplement. Et après, quand on devient adulte et en passant par l'adolescence, où c'est très important aussi, on se rend compte que on aime se faire peur aussi pour avoir ce sentiment de sécurité derrière. En fait, on le retrouve quand on est adulte. Oui. Mais ça nous permet aussi d'évacuer, d'externaliser certaines pensées ou certaines idées contradictoires qu'on pourrait avoir, certaines pulsions violentes où on se dit est-ce que je suis le seul ou la seule à avoir ces idées, et finalement de le lire ou de le voir sur un écran, ça permet de plus l'avoir à l'intérieur de soi. Oui, et puis c'est l'identification de la lecture là en général. La lecture permet une imagination active, c'est-à-dire que lorsqu'on lit un livre, chacun d'entre nous le vit et le voit différemment, d'où souvent la déception lorsqu'il y a une adaptation d'un livre au cinéma. Donc l'imagination active du lecteur est quelque chose de très important, et à travers la peur, l'angoisse et les autres registres littéraires, il y a une vraie, comme je disais tout à l'heure, il y a une façon de constituer son être intime. Alors que tout ce qui est l'art visuel ou le cinéma ou la télévision, c'est une imagination beaucoup plus passive, puisqu'on vous donne l'image, vous ne la créez pas, vous l'absorbez. D'où l'importance de l'écrit et du mot qui reste fondamental. Et pour la construction de l'identité, c'est là que c'est d'autant plus important à l'adolescence, le moment où on se cherche énormément, où on ressent beaucoup d'émotions contradictoires, qu'on ne comprend pas, qui arrivent. Et à ce moment-là, la lecture peut apporter énormément aussi. Oui, et puis la lecture donne un vocabulaire. Ce qui est très important, je trouve, de nos jours, c'est de bien insister, et c'est drôle parce que ça recoupe avec les articles qu'on peut lire dans les journaux en ce moment de l'éducation nationale, la lecture, le vocabulaire, la syntaxe, c'est une façon de s'exprimer. Si on ne sait pas s'exprimer, on devient violent. Donc, savoir mettre le mot juste sur l'émotion juste est une façon de dire qui on est, d'exprimer ses peurs, justement, d'exprimer ses colères. Et la lecture apporte ce vocabulaire.
c'est en fait le seul art qui apporte vraiment une précision dans ce que l'on ressent, puisqu'il faut bien mettre un mot. C'est pas juste ni une couleur, c'est mettre un mot sur une émotion. Et c'est ça le rôle de l'écrivain, qui est très important. Et quand on demande à des adultes aussi pourquoi est-ce que vous aimez lire des livres qui font peur, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, ils répondent en général, ils se sentent vivants. Ça fait ressentir de l'adrénaline, on est pris par l'histoire, sans vivre à ce moment-là. Oui, c'est une façon plus intellectuelle d'avoir peur. Là, je pense, en parlant, je pense aux fêtes foraines, à ceux qui aiment les jeux qui font peur d'ailleurs, de se mettre en danger un peu physique. Là, par la lecture, c'est beaucoup plus intellectuel. Mais c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Et c'est un registre très important de la littérature. Alors tout à l'heure, on va vous entendre lire trois extraits de nouvelles qui font peur. Mais avant ça, on va pouvoir étudier un petit peu, comme vous êtes auteur, les ressorts de cette écriture qui fait frissonner. Alors Teresa, pensez-vous que les auteurs puisent dans leur propre peur ? Oui, l'auteur et surtout le romancier puise dans sa personnalité. Tous les personnages que nous créons ont une part de nous. Nous sommes en eux et eux sont en nous. Et ça, c'est ce mystère de l'écrivain et particulièrement du romancier. Flaubert en parle très bien dans les lettres à sa maîtresse Louise Collet, de ces personnages qui l'insupportent, qui l'empêchent de dormir. Et parce que nous sommes la matière vivante et la pâte humaine de nos personnages et de nos histoires. Donc, quand on écrit un livre dont la volonté est de faire peur, et on va parler des auteurs, des grands auteurs qui sont fantastiques et autres qui font ça, il y a évidemment une part d'eux qui est là, qui est présente. Alors, il se trouve que moi, je ne le fais pas, donc peut-être que dans ma nature, c'est vrai que je n'aime pas faire peur et je joue juste sur le registre d'une émotion qui est plus douce, mais qui peut être forte, qui n'empêche pas la force de l'émotion. Mais tout romancier est dans ses personnages. Et les personnages sont en nous. Et il y a une communication très particulière entre nous et nos personnages fictifs, comme un échange. En fait, on fait tourner les tables, mais on ne vous le dit pas. Et on voit bien, selon les auteurs, que les personnages sont différents d'un auteur à l'autre, mais un auteur, en général, certains personnages quand même de prédilection, comme Stephen King, on a un livre là-bas, sont des personnages qui sont désabusés par la vie, ou alors on va avoir des enfants, des ados très, très téméraires, alors que Edgar Allan Poe, qui écrit aussi beaucoup de romans qui font frissonner des nouvelles, sont plus des personnages un peu dépressifs, mélancoliques, Maupassant aussi. Oui, alors avec Maupassant, avec Edgar Allan Poe, on arrive aussi au 19e siècle avec cette recherche du fantastique, avec une notion aussi d'une époque, il y a le gothique anglais qui a été très important dans cette notion des livres qui font peur. Et puis chaque romancier a en effet des archétypes vers lesquels il revient. Je pense que c'est sa nature même, c'est sa nature qui parle. Et d'ailleurs, il faut essayer de ne pas trop se répéter dans les romans, mais on a chacun une prédilection pour telle ou telle interrogation. En fait, le romancier ou l'écrivain cherche toujours une réponse à ses propres questions et à qui il est, pourquoi est-on là, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous cherchons. Et chaque auteur, toute sa vie, va essayer de répondre à ces questions et en fait, je pense qu'on n'y répond jamais. Sauf le poète, peut-être. Alors, chaque auteur a son type de personnage et aussi son type de mal ou méchant. Selon certains, on va avoir des extraterrestres qui vont arriver, ça va être quelque chose d'extérieur. Oui. D'autres auteurs vont plus être sur un mal intérieur, finalement, qui ronge, comme la folie. Il y a plusieurs ressorts aussi pour la peur. Et donc, c'est propre à chaque auteur aussi, j'imagine. C'est propre. Et puis, c'est propre à chaque époque. Et c'est vrai que Maupassant travaille beaucoup sur la folie. Il y en a d'autres aussi qui cherchent à travailler sur le mysticisme. Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur?
le petit bonhomme vert qui va arriver de Mars et qui nous semble à la fois improbable et qui est donc extérieur à nous, ou notre propre intériorité. Et là, il y a vraiment une approche différente dans la psychologie des personnages. Est-ce qu'on choisit de faire peur par l'extérieur ou par l'intérieur? Et ce qui fait un des ressorts dramatiques qui fait toujours très peur dans les livres, c'est quand la personne que vous croyez connaître se révèle ne pas être cette personne-là. Donc ça, c'est un excellent ressort dramatique, que vous vivez 15 ans, 20 ans avec quelqu'un, et soudain vous découvrez une lettre ou quelque chose, ou qu'il a eu une autre vie dont vous ignorez tout. Oui, et il y a des histoires qui sont vraiment basées là-dessus, et d'après des histoires vraies. Oui, d'ailleurs, oui, il y a eu des romans, il y a eu des films. La réalité dépasse la fiction, oui. Toujours. D'ailleurs, certains auteurs de romans qui font peur se basent finalement sur des faits divers. Stephen King fait beaucoup ça aussi, finalement. Oui, parce que la réalité dépasse vraiment toujours la fiction, et vous apprenez des choses absolument incroyables qui peuvent être tout à fait à la fois angoissantes et donc c'est vraiment le travail, la quête artistique aussi. Alors là, de chaque auteur, qu'est-ce qu'il cherche à raconter et qu'est-ce qu'il cherche à comprendre et à comprendre de lui-même aussi. Mais c'est vrai que ce qui est le plus proche de nous, je pense, nous fait le plus peur parce qu'on se dit ça pourrait nous arriver finalement. Ah oui. L'identification du lecteur à ce qu'il lit, c'est là que le ressort. Si l'auteur arrive à faire croire que son histoire est la réalité et que le lecteur s'identifie, alors là, c'est gagné. C'est vraiment, on est rentré c'est pour ça que certains livres font peur à l'un ou à l'autre et chacun est différent. Donc, parce que nous sommes tous différents. Et ça, c'est la magie de la lecture aussi. Alors, avoir les clés de la narration, c'est très bien, les ressorts narratifs. Mais avoir une plume, savoir manier les mots, c'est autre chose. Vous en savez quelque chose, vous qui êtes auteur, Teresa Révé. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous emmener avec des mots en nous proposant 3 lectures. Le premier texte est extrait de la nouvelle Orla de Guy de Maupassant, paru en 1886. Je vais juste situer l'extrait que vous allez lire. Donc, nous suivons le journal intime d'un homme instruit qui vit à la campagne, qui est très heureux. Il vit près de Rouen. C'est un heureux contemplatif qui savoure les plaisirs de la nature. Et un jour, la fièvre le prend. Le découragement, la détresse l'envahissent, il devient anxieux, angoissé, il se sent menacé, dort mal, fait des cauchemars et sent une présence. 5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis, je me redressais d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui ? Moi ? Moi sans doute ? Ce ne pouvait être que moi. Alors, j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes.
Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme saint d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi? Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couchée. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançais vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Ah mon Dieu, je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée. À moins que je ne sois vraiment somnambule, ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence, et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Donc là, on est au tiers à peu près de la nouvelle. Il va sombrer petit à petit dans la folie et chercher à vaincre cet être invisible. Qui se nommerait donc Laura? C'était un texte qu'on m'avait fait lire quand je faisais mes études de lettres à la Sorbonne. Et j'avais un cours sur la littérature fantastique. Et quand je suis arrivée, donc j'avais 19 ans à l'époque, et comme je disais au début de notre entretien, je ne suis pas une fanatique de littérature fantastique, mais j'avais un professeur formidable, qui s'appelle toujours d'ailleurs Alain Vircondelet, qui est un merveilleux écrivain. Et il nous a fait lire le Horla. Et je me souviens à 19 ans, d'avoir trouvé ça extraordinairement poignant, prenant et angoissant. Parce que la folie, c'est bien une des choses qui peut nous faire peur à tous, puisque quand on ne se contrôle plus soi-même, c'est bien une des peurs les plus fondamentales. C'est vrai que c'est un texte qu'on étudie beaucoup quand on fait ses études, au lycée aussi. Oui, c'est un texte. Mais quand on le relit plus tard, à nos âges, on le lit différemment, je trouve. Oui, mais c'est pour ça que les classiques, on dit toujours qu'il faut les lire à différents âges de la vie. Souvent, à l'école, on nous faisait lire des textes peut-être, ou des grands, enfin Stendhal, Balzac. Moi, je me souvenais, à 14-15 ans, je trouvais ça très loin de moi. J'arrivais pas à intégrer ces auteurs. Et en les relisant plus tard, avec l'expérience et la maturité, on les lit différemment. Donc, les classiques, je pense, doivent toujours nous accompagner, mais il ne faut pas avoir peur d'y revenir. Et ce qu'on n'a pas aimé à 15 ans, on peut le comprendre à 35 ou à 60, à différents âges de la vie. Et l'avantage, c'est qu'on les a dans notre bibliothèque, puisqu'on nous les a fait étudier. Il faut les garder. Alors, le deuxième texte, beaucoup plus récent, date de 2015. C'est un extrait d'un livre parfait pour notre thème du jour, puisque c'est L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. C'est un auteur japonais connu notamment pour 1Q84. Et au début du livre, un jeune garçon entre dans une bibliothèque à la recherche d'un livre et une dame étrange lui indique le chemin. Et dans la salle 107, un bibliothécaire trouve ses livres et le guide vers la salle de lecture. « Tu me suis compris ?» lança le vieil homme. Très vite, le couloir se divisa en deux. Le vieillard tourna à droite. Nous avançâmes un peu, puis, de nouveau, il y eut un embranchement. Cette fois,
Le vieil homme s'engagea sur la gauche. Les tournants et les bifurcations se succédaient, mais l'homme n'avait pas la moindre hésitation avant de prendre tantôt à droite, tantôt à gauche. Il ouvrait parfois une porte et nous avancions alors dans un couloir différent. De mon côté, j'étais en pleine confusion. Enfin quoi, c'était tout de même invraisemblable que les sous-sols de la bibliothèque municipale abritent un labyrinthe aussi gigantesque. Les bibliothèques comme la nôtre doivent toujours jongler avec un budget insuffisant et ne disposent évidemment pas des fonds disponibles pour construire le plus petit des labyrinthes. Je songeais bien à poser une question à ce sujet au vieil homme, mais finalement, je m'en abstins, de peur d'être méchamment réprimandé. Le labyrinthe finit pourtant par aboutir à une grande porte en fer sur laquelle était placardée « salle de lecture ». Le lieu était aussi silencieux qu'un cimetière au plus profond de la nuit. Le vieil homme sortit de sa poche un trousseau de clés qui cliquetèrent quand il en sélectionna une. C'était une grande clé, aux formes anciennes. Puis il l'introduisit dans la serrure et après m'avoir lancé un regard lourd de sens, il la fit pivoter vers la droite. Il y eut un grand claque. La porte s'ouvrit avec des grincements terriblement désagréables qui lancèrent des échos partout à la ronde. « Bien, bien !» fit le vieil homme. « Entre donc » « Là-dedans ? Bien sûr !»« Mais il fait complètement noir » protestai-je. Au-delà de la grande porte, c'était aussi sombre que si l'on avait creusé un trou dans l'espace cosmique. Le vieillard se tourna vers moi et se redressa de toute sa taille. Subitement, il était très grand. Sous ses longs sourcils blancs, ses yeux luisaient comme ceux d'une chèvre à l'approche de la nuit. « Toi, dis-moi, tu ne serais pas de nature à rouspéter pour un oui ou pour un non ?»« Non, pas du tout. Simplement, je crois que... »« Arrête de jacasser !» coupa le vieil homme. « Pour moi, ce sont des bons à rien, ces ergoteurs qui se plaignent constamment et qui n'ont aucun égard pour ceux qui tentent de les aider. »« Pardon, je tentais ainsi de m'excuser. Je suis d'accord, je vais entrer là-dedans. » « Mais enfin, pour quelle raison, je me le demande, disais-je, et faisais-je le contraire de ce que je voulais vraiment ?»« À l'intérieur, tu rencontreras rapidement un escalier qui descend, » dit le vieillard. « Cramponne-toi bien à la rampe pour ne pas dégringoler. » Je fis quelques pas précautionneux vers l'avant. Comme le vieillard avait refermé la porte, les lieux étaient absolument noirs. J'entendis cliqueter bruyamment la clé qui tournait dans la serrure. « Pourquoi avez-vous fermé la porte à clé ?»« Cette porte doit toujours être verrouillée, c'est le règlement. » Résigné, j'entrepris de descendre l'escalier, un très long escalier. Un escalier si long qu'il aurait pu atteindre le Brésil. Une rampe en fer rouillé et délabré était fixée au mur. L'obscurité était totale, il n'y avait pas la moindre lumière. Pourtant, lorsque je parvins au bas des marches, je pus distinguer une légère lueur, celle d'une faible ampoule électrique. La lueur était certes ténue, mais elle suffit à me faire mal aux yeux qui s'étaient habitués à la nuit. Quelqu'un vint depuis le fond de la pièce et me prit la main. C'était un petit homme enveloppé dans une peau de mouton. « Soyez le bienvenu, » dit l'homme mouton. « Bonjour, » lui répondis-je. Une véritable fourrure de mouton recouvrait la totalité du corps de l'homme. Seule était pratiquée une ouverture pour le visage et je vis deux yeux bienveillants qui me fixaient. Ce costume lui allait très bien. L'homme mouton me dévisagea un moment, puis il jeta un regard sur les trois volumes que je tenais dans les mains. « Alors, comme ça, tu es venu ici pour lire ces livres ?»« Oui, en effet, » répondis-je. « Pour de vrai ?» Parce que tu voulais vraiment lire ces livres ? La façon de parler de l'homme mouton avait quelque chose d'étrange. Je restais muet. « Veux-tu bien répondre correctement ?» me pressa le vieillard. « Hein, tu es venu ici parce que tu souhaitais lire ces livres ? Dépêche-toi de répondre. « Oui, je suis venu ici parce que je voulais lire ces livres. »« Tu vois, » fit le vieil homme, comme s'il triomphait. « Cependant, maître, » intervint l'homme mouton, « c'est encore un enfant. » « Ça suffit !» Le vieillard sortit brusquement de la poche arrière de son pantalon une courte baguette de saule et en cingla le visage de l'homme mouton. « Accompagne-le à la salle de lecture et en vitesse !»
L'homme mouton eut l'air soucieux, mais il se résigna à prendre ma main. La badine avait laissé une marque rouge au coin de sa bouche. « Eh bien, allons-y. Où ça ? À la salle de lecture. Tu voulais lire ses livres, n'est-ce pas ?» Me précédant, l'homme mouton s'engagea dans un étroit couloir. Le vieil homme marchait sur mes talons. Sur l'habit que portait l'homme mouton était fixée une petite queue qui oscillait vivement à chacun de ses pas, de droite à gauche, comme un pendule. « Eh bien ?» fit l'homme mouton. Il s'immobilisa au bout du couloir. « Nous y voilà. »« Attendez, monsieur l'homme mouton, dis-je. Ne s'agirait-il pas d'une prison ?»« Certes, en convint-il. » »« En plein dans le mille, » confirma le vieillard. » Comme quoi lire, c'est dangereux. Vous vous arrêtez en plein suspense. Il faut. Mais ça, c'est la magie de Murakami. Alors, je voudrais juste donner le nom de la traductrice, parce qu'il ne faut jamais oublier les traduits. Donc, c'est traduit du japonais par Hélène Morita. Et les traducteurs sont essentiels, parce qu'un mauvais traducteur vous tue un livre. Et donc il faut toujours, alors on le fait maintenant beaucoup et c'est vraiment, et je ne le dis pas parce que je suis aussi traductrice, mais c'est un rôle très important qu'on oublie quelquefois. Et donc, et Murakami est bien sûr un merveilleux écrivain. Mais les traducteurs, je pense, sont choisis aussi en fonction du style, enfin oui, de l'auteur d'origine peut-être. Oui, oui, il faut savoir s'adapter. C'est un rôle de transmission. Le traducteur a un rôle de transmission. Il doit amener un texte avec toute sa valeur et toute sa couleur dans une autre langue en s'adaptant quand même au lecteur de la langue dans laquelle il l'amène. Donc c'est vraiment un travail d'ajustement et de composition tout en restant fidèle évidemment à l'auteur de départ. Donc c'est un très beau... Tous les grands écrivains d'ailleurs étaient traducteurs. Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire. Flaubert, tous les grands ont traduit d'autres. Donc c'est constitutif aussi de... Dans un livre ici, La Dimension Fantastique, c'est un livre de nouvelles. Dedans, il y a une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Portrait ovale, qui a été traduit justement par Baudelaire. Par Baudelaire, oui. Oui. Ce qui montre l'influence des auteurs les uns sur les autres. Stephen King, d'ailleurs, étant très influencé par Lovecraft. Et dans cette nouvelle, donc on sent bien le suspense, et je trouve qu'on est un peu entre le rêve et la réalité, parce que ce jeune garçon, il a parfois des paroles très sensées, et un peu comme quand on est en train de rêver, qu'on se réveille tout doucement, on est un peu entre les deux, on ne sait pas si on est encore en train de rêver, on se dit « mais si, ça ne peut pas exister, donc je suis en train de rêver », et en même temps, ça paraît tellement réel. Et on est un peu dans cet univers-là, je trouve, avec Murakami. Oui, et puis on retrouve les fondamentaux, c'est-à-dire la personne qui n'est pas vraiment une personne, la peau de mouton. Enfin, on pense à Alice au Pays des Merveilles. On a cette étrangeté à travers l'accoutrement des autres et ce qu'ils disent. Et puis cette peur diffuse, et on voit comment il a construit la descente, le couloir, le noir. Tous ces éléments qui font que pour un romancier, il sait avec quels outils il va créer l'angoisse, il va diffuser l'angoisse. Et là, c'est vrai que il y a des auteurs qui sont plus doués que d'autres. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et qui, je trouve, crée des atmosphères angoissantes, qui s'appelle Sandrine Collette. Je vous conseille vivement la lecture de Sandrine Collette, qui vraiment crée des ambiances dans des huis clos qui sont absolument angoissantes. Et puis il y en a qui vont verser plutôt vers la terreur. Moi je sais qu'il y a des auteurs que j'ai laissé tomber à un moment donné parce que là je trouvais que c'était trop dense et trop fort. Donc il y a aussi cette liberté du lecteur de trouver l'auteur qui lui convient. Et tout à l'heure vous disiez donc dans les auteurs mettaient de leur personnalité et mettaient d'eux dans leur personnage ou l'inverse. Et voilà ce que dit Haruki Murakami. Il dit « J'étais un enfant unique, solitaire, inquiet. Je passais mes journées enfermées avec mes chats, j'avais des conversations avec les chats que nous avions, et mes livres. Et j'ai tout de suite senti que la fiction était plus belle que la vie. » Je trouve que quand on lit cette phrase et qu'on lit cette nouvelle, ça fait vraiment écho. Oui, oui. Non, et puis ça c'est un souci, c'est une réalité du romancier, que nos personnages parfois nous semblent plus réels
que les gens avec lesquels nous vivons. Il y a une forme de schizophrénie. Alors, on en est conscient, sinon on bascule vraiment vers la folie, mais on en est conscient, mais je sais que moi, dans certains passages d'écriture, je deviens complètement hermétique, je ne vois plus mes amis, je m'enferme, parce que mes personnages fictifs sont totalement vivants, ils sont dans la pièce avec moi, je vis avec eux, c'est ma première pensée du matin, c'est pour eux, la dernière en allant me coucher aussi, et ils sont totalement vivants et pesants, et je leur parle. Et je leur parle et ils me répondent, pas toujours, mais ils me répondent. Et ça, c'est le lien très étrange du romancier. En tant que lecteur ou lectrice aussi, je trouve qu'on peut être accompagné par les personnages qu'on suit dans un roman. Toute la journée, on pense à nos personnages, on a hâte d'être au soir pour les retrouver, etc. Ils nous accompagnent aussi dans une autre mesure. Oui, c'est autre chose, mais il y a une émotion qui passe. En fait, c'est ça, c'est le registre de l'émotion. Ils deviennent réels aussi. Oui, oui, et on s'identifie à eux. Alors on a un troisième texte qui est un extrait d'une célèbre enquête de Sherlock Holmes, Le chien des Baskerville, donc écrite par Arthur Conan Doyle entre 1901 et 1902, puisqu'au départ donc c'était publié en plusieurs parties dans un journal. Donc l'intrigue se situe dans le sud de l'Angleterre, où selon une légende, un chien démoniaque crachant du feu de sa gueule géante pourchasse les membres de la famille Baskerville depuis des siècles. Lorsque Sir Charles Baskerville meurt dans d'étranges circonstances, Sherlock Holmes et le docteur Watson arrivent pour enquêter et pour protéger le dernier descendant Baskerville, Sir Henry. Le médecin de la famille leur lit alors un manuscrit datant de 1742 décrivant l'origine de cette malédiction en la personne d'Hugo Baskerville, un ancêtre cruel. Et à ce moment précis du récit, Hugo Baskerville part à cheval rattraper une jeune fille qu'il avait enlevée et qui s'est échappée. Il est suivi par ses cavaliers. Ils avaient couvert un mille ou deux quand ils passèrent près d'un berger de nuit et lui demandèrent à grands cris s'il avait vu la chasse. Et l'homme, à ce que raconte l'histoire, était si affolé de crainte qu'il pouvait à peine parler. À la fin, il déclara pourtant qu'il avait en vérité vu la jeune fille avec les chiens sur sa piste. « Mais j'ai vu autre chose que cela, dit-il. Car Hugo Baskerville est passé près de moi sur sa jument noire et derrière lui courait, sans aboyer, un chien de l'enfer, tel que Dieu veuille que je n'en ai jamais sur mes talons. » Les cavaliers ivres lancèrent une malédiction au berger et reprirent leur chevauchée. Mais bientôt leur sang se glaça, quand ils entendirent, venant vers eux, le bruit d'un galop à travers la lande, puis la jument noire, toute tachetée d'écume blanche, passa près d'eux, la bride traînant et la selle vide. Les noceurs, dès lors, chevauchèrent les uns tout près des autres, car une grande crainte s'emparait d'eux. Ils poussèrent quand même plus loin sur la lande, quoique chacun d'eux, s'il avait été seul, eût allègrement tourné bride. Ainsi, lentement, ils rejoignirent enfin les chiens. Ceux-ci, bien que réputés pour leur courage et leur race, gémissaient et pleuraient, groupés à l'entrée d'une profonde dépression du sol. Quelques-uns pourtant s'étaient nettement écartés et d'autres, le poil hérissé, les yeux fixes, considéraient l'étroite vallée devant eux. Toute la compagnie s'était arrêtée, bien plus sobre, on l'imagine, qu'au départ. La plupart auraient voulu en rester là, mais trois d'entre eux, les plus hardis, ou peut-être les plus ivres, descendirent à cheval dans cette dépression. Et voilà qu'elle se changeait en un large espace dans lequel se dressaient deux grandes pierres que l'on y voit encore et qui avaient été érigées autrefois par certains peuples aujourd'hui oubliés. La lune brillait sur cet espace clair et au centre, la malheureuse jeune fille gisait à l'endroit où elle était tombée morte de peur et de fatigue. Mais ce ne fut pas la vue de son cadavre, non plus que celle du corps de Hugo Baskerville, gisant à côté du sien, qui fit dresser les cheveux sur la tête de ces trois risque-tout. Ce qui les épouvanta, ce fut qu'au-dessus du cadavre de Hugo, et le tenant à la gorge, se dressait une chose ignoble, une bête grande et noire qui avait la forme d'un chien et qui pourtant était d'une taille bien supérieure à n'importe quel chien sur lequel œil humain se fût jamais posé. Et sous leurs yeux même, la bête déchira la gorge de Hugo Baskerville. Quand par-dessus ce spectacle, elle tourna vers eux ses yeux étincelants et ses mâchoires dégoûtantes de sang,
Les trois hommes, terrifiés, poussèrent de grands cris et, toujours hurlant, s'enfuirent à travers la lande comme si leur vie était menacée. L'un d'eux, dit-on, mourut dans la nuit même, et les deux autres, pendant tout le reste de leur jour, ne furent plus guère que des loques. Telle est, mes fils, l'histoire de la venue du chien qui, dit-on, a si lamentablement tourmenté notre famille depuis lors. Si je l'ai couché par écrit, c'est parce que ce que l'on connaît bien est tout de même moins terrifiant que ce que l'on insinue ou devine. On ne saurait nier que bien des membres de notre famille soient morts de morts malheureuses, soudaines, sanglantes et mystérieuses. Nous pouvons cependant chercher un refuge dans la bonté infinie de la Providence qui ne voudrait point punir à jamais des innocents par-delà la troisième ou quatrième génération selon la menace exprimée par les Saintes Écritures. À cette Providence, mes fils, je vous recommande ici et je vous conseille, par mesure de précaution, de vous abstenir de traverser la lande aux heures sombres où triomphent les forces du mal. Tout ceci de Hugo Baskerville à ses fils Roger et Jean, avec la recommandation de n'en rien dire à leur sœur Elisabeth. Quand le docteur Mortimer eut achevé la lecture de ce singulier récit, il remonta ses lunettes sur son front et fixement regarda M. Sherlock Holmes. Celui-ci bâilla et jeta le bout de sa cigarette dans le feu. Et là, vous voyez le travail de l'auteur qui, à la fois, crée à travers la narration, à travers les termes, à travers les couleurs, les odeurs, les senteurs, la peur, et ensuite bascule vers la réalité et vers le détachement de Sherlock Holmes en décrivant un geste tout bête, qui n'a pas eu peur. Parce voilà. que ça, c'est le travail du narrateur, c'est d'intégrer le fantastique et puis le réalisme et de trouver cet équilibre pour qu'on vous emmène, vous, lecteur, dans notre émotion. Mais les monstres, on retrouve bien sûr là les archétypes des monstres qui forment notre imaginaire à tous. Après, c'est une légende. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est bien parce qu'on a les deux points de vue. On a la famille qui y croit, on a Sherlock Holmes qui y croit moins. Et selon qui parle, on a envie de croire l'un ou l'autre. Et voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'on croit aux fantômes? Moi, c'est une discussion que j'ai eue l'autre jour avec une amie qui ne croit à rien. Et est-ce qu'on croit aux fantômes? Est-ce qu'on croit à quelque chose qu'on ne comprend pas? C'est ça qui est la peur constitutive. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Et je crois aux forces, je crois au bien, je crois au mal. Et donc, je crois qu'il y a des choses, qui peuvent être assez effrayantes et des expériences très mystérieuses de poltergeist. Moi, j'en ai pas eu, heureusement. Mais ma mère croyait aux fantômes et elle avait une vision des choses. Et elle a eu un jour, dans une maison, un côté très mystérieux de poltergeist. Ce sont des choses mystérieuses qui détruisent tout dans une pièce. Et ils étaient descendus dans cette pièce le lendemain matin et tout était détruit. Et elle n'a pas eu. C'est Maupassant. C'est le hors-là. C'est le hors-là. Donc, la peur de l'inconnu. Mais la peur de l'inconnu, c'est ce que dit Lovecraft, c'est la chose la peur la plus profonde, c'est la peur de l'inconnu. Donc l'émotion de la peur étant l'une des émotions primitives les plus fortes de toute l'humanité, et ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. L'inconnu, donc, l'inexpliqué. Et l'inexpliqué. Et il faut accepter qu'il y a de l'inexpliqué dans la vie, aussi bien dans la terreur que dans les choses gaies. L'amour, c'est inexplicable. Et aussi. Les coups de foudre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces nuits de la lecture. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la résidence Domitis du parc de Vinci à Amboise qui nous a accueillis. Et donc, que vous aimiez vous faire peur en lisant ou pas, le mot d'ordre est donc lisez ce qui vous fait plaisir. N'est-ce pas, Thérèse Arrévé? Oui, la lecture, c'est la liberté. Et on se retrouve très bientôt pour le prix littéraire Domitis. Avec joie. À bientôt.